Salut, ici Didier Lucien, acteur et grand fan de cirque. Aujourd'hui, on est à la Tohu pour la première du spectacle Colibri, qui sera présenté jusqu'au 12 juin. On a des spectateurs qui viennent tout juste de voir le spectacle, de nous donner leurs impressions. C'est très, très, très touchant. C'est très, très beau. C'est grandiose. C'est un très, très beau spectacle. C'est de magnifiques artistes. Mon moment favori, ça a été de voir le gars qui marchait sur le fil de fer, puis de faire un backflip par en arrière. J'ai vu ça à la télévision, mais quand tu vois ça devant toi, c'est quelque chose. Particulièrement, j'ai vraiment préféré... Bien, en fait, j'ai un coup de cœur pour le numéro de main à main, mais j'ai vraiment tout aimé les numéros en général aussi. Vraiment bravo à tous les athlètes de cirque. Les numéros sont très beaux, il y a de la sobriété. J'ai beaucoup aimé les décors qui sont quand même spectaculaires, même s'ils sont sobres. Alors vraiment, ça vaut la peine de voir ces jeunes-là talentueux, fougueux, persévérants, qu'on va certainement revoir dans les prochaines années. Je viens de voir Colibri, c'est excellent. À chaque année, la barre est super haute pour les étudiants. On est toujours émerveillés, il arrive toujours des nouveaux numéros. Puis tu dis, mon Dieu, les étudiants l'année prochaine, comment ils vont faire pour arriver au même niveau? Et puis encore une fois, cette année, c'est vraiment extraordinaire. Les étudiants ont fait une super job, c'est beau, c'est bon. OK, j'ai adoré le mélange danse, acrobatie, cirque, gymnastique du spectacle. Les musiques étaient juste superbes. C'est vraiment un spectacle à voir et que je reverrai n'importe quand. C'est donc le temps de venir voir Colibri de l'École nationale de cirque à la Tohu jusqu'au 12 juin 2016.